Vidéo à partir d'un programme interactif en Flash, il est question de système de numération binaire, voir ou revoir, on. On voit un affichage classique en heures, minutes et secondes. Les secondes s'égrènent en rouge ici. Autre affichage, digital. Voilà comment s'égrènent les secondes. On va faire un arrêt ici. Off à 25 secondes. 25 secondes, c'est 1 plus 8 plus 16. Un rouge en 1, en rouge en 8, en rouge en 16. On reprend. Alors je vais arrêter la vidéo et laisser courir le temps. Reprise à plus de 2 minutes. Voilà le cadran habituel. 2 minutes 15, 2 minutes 16. Et voilà l'écriture bleu-rouge, l'écriture digitale, l'écriture en binaire. Off, arrêt, voilà dans cet exemple 2 minutes en bleu et en seconde en rouge 1 et 4, 5, 5 et 8, 13, 13 et 16, 29 pour les secondes. Page suivante. Un nombre est donné au hasard en digital. On va en prendre un autre un peu plus compliqué quand même. Alors il s'agit de dire combien de minutes, combien de secondes. 2 et 4, 6 minutes, 6, on écrit ça. Alors en rouge, 2 et 4, 6 et 32, 38, c'est bon. Voilà l'écran. Un autre. En bleu les minutes 1 et 2, 3, 3 et 4, 7. En rouge les secondes 2 et 32, 34. Ok. Dernière page. Alors il s'agit de trouver les éclairages en rouge bleu pour un nombre qui est donné au hasard. Pour des nombres ici, c'est 2 et 25. Alors, un paquet de 2 pour les minutes. Pour les secondes, il faut arriver à 25. Donc, un paquet de 16, un paquet de 8 fait 24, et un paquet de 1, 25. Voilà l'écran. Alors, le nombre bleu est écrit en décimal comme d'habitude, 2. Il est écrit en binaire 0010. Ça veut dire un paquet de 2, tout simplement. Alors l'écriture avec des 0 et 1, deux chiffres, peut être remplacé par n'importe quel chiffre blanc, noir. Peu importe. Ok, alors on revient à l'écran, à l'affichage complet, avec un autre nom au hasard. Alors 7 minutes 52 secondes. Alors il faut fabriquer 7. 7 c'est 4 plus 2 plus 1. Donc le système binaire 1 plus un paquet de 2 plus un paquet de 4. On fait des paquets de 2 au lieu de paquets de 10 en décimal. Pour le rouge 52, 52 on a 32 plus 16, 48.
plus 4, 52. Voilà l'écran. Le nombre du système décimal que l'on connaît habituellement, c'est 52. L'écriture en binaire de ce même nombre, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ce qui se lit 0 paquet de 1, 0 paquet de 2, 1 paquet de 4, 0 paquet de 8, 1 paquet de 16, 1 paquet de 32. Bon, autant d'exemples que l'on veut dans le programme en Flash accessible avec le lien sous la vidéo.